Je t'ai vu! Rentre à la maison de suite! Viens prendre tes remèdes! Tu vas voir. Où étais-tu passé? C'est l'heure de déjeuner. Lupus, tu veux te joindre à nous? Oui, je vois. Porcius, tu devrais rentrer te reposer chez toi. Je viendrai demain dans la matinée. Dans l'immédiat, transmets le bonjour à ta mère. Hein? T'as de la chance. T'as pas de mère. Attention! Quoi? Que s'est-il passé? Kidnappé? Des marchands d'esclaves? Ici à Austin? Non, Lupus, il n'y a pas de ça chez nous. Et Minerve, Marcus Géminus, je t'en prie, tu dois l'aider. Ce sont des voleurs d'enfants. Et ils vont les revendre comme esclaves. En tout cas, ils ne sont pas dans le port, j'en suis certain. Mon enfant! Il a disparu! Au secours! Peut-être bien dans les calanques? Qu'en dis-tu? Codex, va là-bas. Et prends de l'aide avec toi. Je vais voir plus au nord. Ils sont partis avant même qu'on arrive à la côte. Ils doivent être déjà loin maintenant. Oh, mais il faut essayer pourtant. Tu dis toujours que ton bateau est le plus rapide. Merci. Ils ont enlevé 12 enfants. Et puis pense à Porcius. Il doit être soigné et prendre son remède. Flavia, écoute, c'est trop dangereux. Nous sommes des marchands, pas des magistrats. Alors pourquoi les magistrats ne font-ils ils rien? Ils sont soudoyés par les marchands d'esclaves. C'est malheureusement la réalité. Et puis j'ai des passagers pour la traversée de demain. Flavia, nous avons notre vie à vivre. Et Porcius? Qu'est-ce que tu en fais de sa vie? Ça t'est égal, peut-être? Le soleil, tel un disque. Un aveuglant globe de flamme. Zetes? En tout cas, Porcius ne tiendra pas. Il a un remède à prendre. Tu sais ce qu'ils font des enfants qui ne tiennent pas le coup? Ils les jettent à la mer. J'ai déjà vu ça. T'inquiète. Vas-y. Vas-y, doucement. Ouais, c'est bon, c'est bon. Capitaine Géminus. Ouais. J'aimerais beaucoup écrire des odes à l'océan et au soleil. J'y arriverai seulement si les gens ne me dérangent pas. Je crois qu'on peut arranger ça. Merci. S'il vous plaît. Et demain, hein? Allez, on va y aller, là. Une nouvelle tablette, c'est bien. Oh oui, ça te sera sûrement très utile. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as rêvé d'une chouette la nuit dernière? Quoi? C'est un mauvais présage. Et moi j'ai rêvé d'un ours. C'est un avertissement des dieux. Oui, on s'en va. Le présage est très clair. Ce voyage finira mal, venez. On s'en va. Venez, non. Vous autres. Vous voulez mourir? Ça y est, on peut y aller. Hé, hey, je t'ai engagé pour un mois. Je suppose qu'on peut chercher les enfants enlevés après ça. Pas sans un équipage.
Moi, je reste capitaine. De ma vie, je n'ai jamais cru au présage. Merci, Cyrus. Mais il me faut encore quelqu'un. Mais tu nous oublies ? Père, tu m'as appris ce qu'il fallait. Je sais faire oh, des nœuds et... Même si tu étais Jason en personne, je n'ai qu'un passager et ça me coûterait beaucoup trop d'argent. Tu vas au sud ? Absolument. Je m'appelle Bateau. Merci. Mais il te faut encore un marin. Tu cherches quelqu'un ? Alors je suis l'homme qu'il te faut. Un bon marin. Tu comptes les manger ? Non. Non, ce sont mes amis. Je m'appelle Zosimus. Très bien, tu es engagé. Et surtout, ne te fais pas de mauvais sang en mer. Avec ta bénédiction dans mon cœur, tout se passera très bien. Tiens, ça t'aidera. Cyrus, si on voit les marchands d'esclaves, on avertit les autorités sans perdre un instant. Oui, capitaine. Et moi, j'irais bien fouiller dans les rues d'Ostie. Les marchands d'esclaves pourraient bien revenir chercher des enfants qu'ils ont manqués. Alors, je te dis au revoir maintenant, juste au cas où. Très bien. Ton premier travail sera de charger ces paquets-là à bord. Ensuite, tu laveras le pont à genoux. D'accord, capitaine. Capitaine, par Jupiter! Oh, par pitié, faites qu'il n'ait pas trop de mal. Ça va, j'ai rien. Cyrus, je croyais que t'avais vérifié les attaches. Mais oui, elles étaient solides. Regardez. Il y a un traître à bord. C'est à bord de ce bateau qu'on m'a amené à Ostie. Il y a longtemps que tu es avec Flaccus ? On m'a donné à lui quand il avait 9 ans. Je m'appelle Nubia. Et lui là-bas, c'est Lupus. Viens. Lui aussi était esclave. Et il ne peut plus parler. D'où il vient, Lupus ? Il vient de Simi, dans le sud. Il dit qu'il ne peut pas parler, mais qu'il entend très bien. Ah. Oui, excuse-moi. Et ta famille est toujours là-bas ? Sa mère, peut-être. Et tu comptes aller la voir ? On ne devrait pas passer loin de Simi. Il pense qu'elle est morte maintenant. Mais c'est mieux d'en être sûr, non ? Non, il ne lui resterait plus aucun espoir. La mer turquoise. Oh, Jupiter. Le bleu d'azur sur les vagues. Tu es vraiment un poète ? Qu'est-ce que tu fais ? Bateau et magistrat. Mais il a un couteau sur lui. C'est pour couper une corde en bon état ou pour peler des légumes ? Cherche partout. D'accord. C'est plein de plumes. Père ne devrait pas accepter d'animaux à bord. Bateau n'est pas celui qu'il prétend être. J'ai gravé ça quand ce bateau s'appelait le Vespa et transportait des esclaves. Au cours du voyage depuis l'Afrique, le soleil de mon pays natal. Ça me motive encore plus. Il faut sauver ces enfants. Une liste de noms ? Vite, dépêche-toi ! Le nombre des enfants enlevés. Ostie, 12. Naples, 21. Syracuse, 18. Je savais que vous étiez épaisse, mais je ne savais pas que vous étiez des voleuses. Et en mer, on ne fait pas de quartier aux voleurs.
Mon père est le capitaine. Et moi, je suis la loi. Mais ça, je pense que vous l'avez déjà découvert. C'est mon père qui commande à bord. Ça va faire 3 ans que je traque ces marchands d'esclaves. Et depuis 3 ans, je me vois confronté à des espions de toutes sortes. Je ne me laisserai pas ennuyer par des enfants. Et en plus, on devrait te croire. Oh, non. Je ne demande pas qu'on me croie. Qui est Magnus? Je n'en sais rien. Ça, personne ne le sait. C'est un géant. C'est le grand maître des marchands d'esclaves. Où est son emblème? Rends-le-moi vite. Je te jure, je ne l'ai pas... J'ai dû tuer plusieurs hommes avant de le récupérer. Si je te dis que je ne l'ai pas vu ici... Alors tu n'es pas la première à fouiller mes affaires. Trouvez l'emblème. Vous trouverez l'espion. Oui, c'est Odyssée. Tu vas l'offrir en sacrifice? Non, non, il va rentrer chez nous, avec un message. Pour ma mère. Vous pouvez vous moquer de moi, vous savez, mais ma mère veut savoir que je vais bien. Ouais, voilà. Envole-toi et retourne en paix jusque chez nous. Et où tu habites? À Portus, juste au nord d'Hostie. Hein? Oh, non! Non, non, il va aller vers le sud jusqu'à ce qu'il trouve ses marques. Et ensuite, choup, au nord. Ouh, il se perdra pas celui-là. Ça, crois-moi. Ça, c'est comme les humains. Aussi loin qu'ils s'en aillent, les pigeons ont quelque chose qui les fait toujours revenir chez eux. Je ne crois pas que ce soit un poète. Il est beaucoup trop stupide. Tu crois que c'est l'espion? Pourquoi tu ne nous lis pas ce que t'as écrit, Flappy? Oh, désolé, vraiment, c'est ton surnom entre nous. Flaccus? Flappy? J'aimerais ne plus entendre ce surnom. C'est compris? Mais quoi qu'il en soit, écrire sur la mer est une excellente idée. J'ai essayé d'écrire un poème sur la mer une fois, mais je laisse ça aux experts. Ce n'est pas un poème sur la mer, pour être exact. Et qu'est-ce que c'est, pour être exact? C'est à propos de mes compagnons de voyage. Avec les cheveux aussi noirs que bouclés, et les yeux comme des éclats de charbon, le jeune et mystérieux garçon a le cœur tourné vers chez lui. Son ami muet dit plus que des mots. Sa reine africaine cache des étoiles dans son âme. Voyager parmi eux, c'est voyager dans le vrai. Tels Jason et Odyssée. Autrefois, se sont cherchés et trouvés pour échanger leur amour. Tous ces enfants, bien que leur amour ne leur soit pas encore connu, cherchent eux aussi. Tu as oublié ma fille? Je n'écris que sur ceux qui m'inspirent quelque chose. Tu n'arriveras à rien de cette façon-là. Il existe 16 différentes façons de sortir de cette clé. Et 5 sont connues seulement de moi. Allez, attrape-moi par le cou. Approche, je ne te ferai pas de mal. Fais de ton mieux. Allez, oui, c'est ça. Bien. Je vois que tu appliques une variante et je dois le dire, elle est très efficace. Mais arrête! Je vais m'étouffer. Jonathan. Il est très fort des bras. C'est ça. Oui.
Regarde, Zosimus en a des cartes, ça ne lui manque pas. C'est un marin. Encore des plumes. Et encore de la paille aussi pour sa grande couche. Flavia. Cyrus. C'est lui l'espion. Je n'avais pas confiance en lui. Alors il nous aurait trahis. Cyrus, j'avais confiance en toi. Comment est-ce que tu as pu ? Ce n'est pas moi. Capitaine. Capitaine, je le jure. Et les barriques, tu vas me faire croire que c'est pas toi qui as coupé les liens ? Je sais qu'il y a un espion. Oui, c'est évident. Mais ce n'est pas moi. Alors comment tu expliques ça ? Je n'en sais rien. Quelqu'un a pu le mettre là ? Le mettre, où ça ? Oh, ça suffit, tu n'as pas d'excuse. Laissez-moi voilà, vous aider. C'est bien. Comment j'aurais bien pu déclencher ce feu ? C'est peut-être accidentel, mais tu es un traître. Allez, encore un petit effort. Remontez oui, les sons. Allez. Je crois qu'on a réussi. Bravo. Mais nous avons perdu toutes nos provisions. Il faudra aller à Simi demain matin. Si ce n'est pas Cyrus qui a mis le feu, qui est-ce ? Simi ? C'est là qu'il y a ta maison. Pas bien loin. À l'intérieur des terres. Oui. Merci. Le bus. Un des vieux pêcheurs dit que ta grand-mère est encore vivante, pas loin d'ici. Tu devrais aller la voir. Elle te racontera peut-être ce qui s'est passé. Les ravisseurs. Non. Ce serait très étonnant qu'on les rattrape. Tu te souviens de ta grand-mère? Il m'arrive de croire entendre ma mère chanter. Si ta mère est vivante, elle va chanter pour toi. D'où vient ce qui est exposé, là ? Ce tapis, il a été fabriqué à Rhodes. Lupus. Ta maman. Tu as disparu, Lupus. Elle en a eu le cœur brisé. Elle est partie à Rhodes, jusqu'au temple d'Apollon. Elle a dit qu'elle était prête à offrir sa vie pour la tienne, en espérant que tu étais encore vivant.
Elle aurait fait n'importe quoi pour toi. Même. Même. Se sacrifier et offrir sa vie à Apollon. Est-ce que ta mère est morte? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Ça ne veut pas dire qu'elle est morte. Oui, je sais que parfois Apollon exige un sacrifice, mais d'autres fois, non. T'as quoi, là? Un mot pour ta mère? Oui. Il faut que je lui raconte le feu, l'espion. Ces nouvelles vont la passionner. Peut-être bien que je pourrais écrire à mon père. Oh, il faudrait écrire tout petit pour ça. Y a aucun problème. Le feu s'est déclenché à cause de la paille. Tu le lui as dit, oh, ça? Non, mais attends, qu'est-ce que tu insinues? C'est toi qui as de la paille, ici. Oui, alors j'apprécie le confort. Y avait une plume de pigeon dans les affaires de bateau, on l'a vu. D'où elle venait? Non, mais y a des plumes partout dans le bateau. Et elles sont utiles, les plumes. Elles aident les oiseaux à voler. Et à aller vers le sud, c'est ça? Ils volent vers le sud jusqu'à ce qu'ils se repèrent mieux. Et si tu nous lisais ce que tu as écrit? Non, mais qu'est-ce qu'il y a? Vous l'avez trouvé, votre espion? J'ai pris le dessin de bateau pour mes propres raisons. Mais toi, tu travailles pour Magnus. Ouais! Et si vous le permettez, je vais vous conduire jusqu'à lui pour lui rendre une petite visite. Le feu a échoué, j'essaierai encore. Magnus viendra me libérer. Ça, je vous le garantis. Allez. Orsus. Crois-moi, on va tous les retrouver. C'est promis, Lupus. Où est Magnus? Si vous voulez le voir, vous n'avez qu'à le trouver. Ça peut prendre beaucoup de temps avec toutes ces îles. Vous allez le chercher pendant des mois. Je veillerai à ce que ton nom apparaisse en grand dans les annales de la famille. Avec quoi? Ta poésie? Ne me fais pas rire. Tu t'es bien servi de Magnus, et maintenant t'es contre lui. Ton esclave affranchi. Tu es bien content de l'avoir. Mon père n'aurait pas acheté un affranchi. Il n'a pas été très généreux, ton père. Je faisais partie de ceux qui ont enlevé Zétès tout jeune. Son père était un patricien, comme toi. Rhode. Magnus. Il est à Rhode. Oh non, là tu rêves. Non. J'ai vu son emblème sur un tapis à Simi. Il avait été fabriqué à Rhode. Oh, c'est très futé de ta part. Mais vous n'y arriverez jamais. Non, rien ne nous arrêtera. Ouais, vous croyez? Vous savez, Magnus tient un grand nombre de dieux dans la paume de sa main. Pense bien à te tenir, d'accord? On ne s'attendait pas à une tempête! Je prends la barre. Toi, tu vas vite affaler la grand voile. D'accord. Dépêche-toi. Plus vite. Si on coule, tu coules aussi. Par les pépites! Je ne peux pas affaler la voile! Vite, sinon on va couler! Elle est coincée! On va couler! C'est coincé! Je vais grimper! Non! Non, tu es trop lourd pour ça! Tu vas nous faire chavirer! Non!
Capitaine, je vais encore essayer! C'est la seule chance! Prends une hache! Si tu as une hache, tu couperas le mât! Cyrus, donne-lui la hache! Tiens! Prends-la! Prends-la! Passe-la-moi! Je suis au maximum! Passe-la! Mais prends-la! Donne! Accroche-toi bien à moi. Seul espoir! Sauver ses enfants. Et au plus vite. Et Portius, qu'est-ce que tu en fais de sa vie? Qui est Magnus? Je n'en sais rien. C'est un géant, c'est le grand maître des marchands d'esclaves. Père! Est-ce que ta mère est morte? Ça, je n'en sais rien. Je faisais partie de ceux qui ont enlevé Zétès tout jeune. Personne ne pourra me dire ce que c'était. Mais je remercie tous les dieux. C'était vraiment merveilleux, Lupus. Ta mère, c'est son dieu qui t'a protégé sur le mât du bateau. Vivante ou non, elle t'aime. La poésie. Une vaine pratique pour des oisifs prétentieux. Tu lui rends sa liberté. Comment pourrais-je faire ça? T'en as trop besoin, avoue-le. Il n'a jamais été un esclave. En tout cas, Zétès, à partir d'aujourd'hui, je veux que nous soyons amis. Il s'habituera, il faut lui laisser du temps. Quand on a été esclave, on le reste toute sa vie. Et quand Magnus vous attrapera, il vous coupera les mains. Il ne m'attrapera pas. Et les autres enfants non plus. C'est ce qu'on va voir, et ceux qui n'ont aucun intérêt seront vendus ou alors tués.
Ça tiendra, capitaine. Y a rien de très grave. C'est plus grave pour la voile. Elle est bonne à jeter. J'en ai une autre dans la cale. Terre. Hé ! La terre ! Et pas n'importe quelle terre. C'est Rhodes. L'île des merveilles. Des géants ? Des statues. Elles sont placées là en l'honneur des dieux. Le colosse est parmi elles ? Il serait tombé dans la mer, c'est ce que dit la légende. Les dieux sont parfois difficiles à satisfaire. Ils nous aideront peut-être à trouver Magnus. Cet endroit n'est pas très gai. Non, tu as raison. Aujourd'hui, vous jouerez les visiteurs. Mais surtout, restez tous sur le port. Je peux t'acheter un souvenir ? Oui, s'il porte bonheur. Je m'occupe des réparations et je vous retrouve au coucher du soleil. En principe. Alors ? Et maintenant ? On va chercher des tapis. Et comment on fait ? On se sépare pour aller regarder un peu partout. C'est ce que font les visiteurs, je crois. Suis-moi, Jonathan. Merci. Vous n'allez pas me croire, mais je suis très riche et je voudrais m'acheter tout plein de tapis. En particulier des tapis portant ce dessin-là. Rien du tout. Elles sont du temple d'Apollon. Elles ne te parleront pas. À personne, d'ailleurs. Flavia ? Flavia ? Flavia ! Flavia ? Jonathan ! Lâche-la tout de suite ! Lâche-la, t'entends ? Qui es-tu ? Et que veux-tu ? Je m'appelle Mendusa. Allez, relève-toi. Ma canne. Tu boites ? Elle est aveugle. Qu'est-ce que vous cherchez ? En ce moment, on cherche des tapis. Oui, ça je le sais. Mais qu'est-ce que vous cherchez ? Elle te l'a dit. On cherche à voir Magnus. C'est un nom qu'il ne faut jamais prononcer. C'est un nom qui fait faire des cauchemars horribles. Et est-ce que tu sais où il est ? Écoutez la rue des chaudronniers pour le savoir. Tu veux dire regarder dans la rue ? Chut. Elle a bien dit écouter. Par pitié ! Bientôt. Dépêchez-vous. Il y a beaucoup d'aveugles. Ils s'usent les yeux sur des métiers à tisser. Et quand ils n'y voient plus rien, ils se font jeter dehors. Corsus ? Il est forcément dans la fabrique, lui aussi. S'il a supporté le voyage. Magnus, on sait où le trouver. Il y a son emblème juste là. Et nous alors, attendez un peu. Lupus. Lupus. Non, arrête. Redescends. C'est beaucoup trop lent. Toi,
toi. Qu'est-ce que tu as à bailler? Mets-toi au travail. Continuez tous à travailler. Allez, reprenez le travail. Plus vite. Plus vite. Réveille-toi et travaille. Allez, allez, plus vite. Lupus a vu les enfants. Les enfants travaillent sur le métier à tisser, mais il n'a pas vu Porcius. Ils ont pu déjà vendre plusieurs enfants. Ils sont peut-être sur un bateau près d'ici. Oh, mais s'ils sont encore à Rhodes, on les trouvera bien. Pas encore. Pourquoi? Ce serait seulement ma parole et ce n'est pas suffisant pour les arrêter. Ça t'offrait rater les honneurs. C'est ça, n'est-ce pas? Tu es bien un magistrat. Tu résous peut-être des affaires compliquées, jeune Gemina, mais tu n'as pas compris ce qui pousse les hommes. Tu as encore du travail. Il nous faut des preuves. Oui, et comment réussirons-nous à entrer dans l'atelier? Ton bateau a coulé et tu as trouvé plusieurs enfants sur la plage. Et tu vas essayer de les vendre là-bas. Très bien. Mais ils n'achèteront que ce qu'ils verront. Et vous savez où je vais trouver les enfants en question? Par ici. Il est là. Lupus? Qu'est-ce que tu es venu chercher? Allez, dis-le-moi! Pourquoi es-tu aussi triste? Ta maman? Elle se trouve ici, vivante ou morte. Je ne le sais pas, mais il y a quelqu'un qui le sait. Va marcher. Je vais lui proposer 30 000. C'est ridicule. Il pensera que je suis un idiot et il me jettera dehors. Mais s'il dit un prix, je le tiens. Prêt? Je suis passé vous proposer une bonne affaire. Un géant, c'est vrai. Eh bien? Et qui es-tu? Qu'as-tu à me vendre? Je suis un marchand et notre bateau s'est fracassé sur des rochers. Il a très vite coulé et j'ai cru être le seul survivant du naufrage. Mais j'ai trouvé ces enfants à moitié noyés. Ils sont blessés? Non, non, pas du tout. Ils sont très sains et en excellent état. Et qu'est-ce qui te fait croire que je pourrais être intéressé? Est-ce que tu l'es ou non? Magnus est un fabricant de tapis. Si tu veux un tapis, tu t'adresses au bon endroit. Sinon, va voir ailleurs. Très bien. Je vais t'offrir un prix. Mais je ne marchande jamais. C'est à prendre ou à laisser. Oui, comme tu veux. 50 000. Oui. C'est... généreux. Peut-être, oui, mais... j'avoue que je pensais bien te demander dans les 80. Oh, 80. Je paye 80 et ils sont à moi. Et j'en fais ce que je veux. Eh bien, oui, je suppose que oui. Comme je l'ai dit, je ne marchande jamais. Va-t'en de chez moi. Et si jamais je te revois, tu es un homme mort. Veillez à ce qu'il soit bien parti.
Flaccus, montre ceci au gouverneur, qu'il rassemble des hommes pour capturer Magnus. J'irai voir les magistrats. Bien. Et le bateau des négriers, père, il faut quand même trouver les enfants. Oui, bien sûr, c'est ce que j'ai dit à Cyrus justement. Flavia, je n'ai jamais connu de fille aussi énervante que toi. Sauf une fois peut-être. Et je me suis marié avec elle. Alors maintenant, retourne à bord de notre bateau et attends notre retour. Allez. Je ne suis pas rassuré de les laisser seuls. Marquez. Sextus. Mais je rêve. Excuse-moi, je me laisse un peu aller. Tu es mon capitaine. Oh oui, mais aussi ton ami. Assieds-toi. Ah. Et moi qui t'ai cru noyé. Oui, je l'ai cru aussi. Bateau, Sextus était avec moi quand mon bateau a coulé il y a quelques mois. Et il s'en est tiré. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à Rhodes? Les courants et le vent et la recherche de travail. J'ai besoin d'un bon marin. Eh ben, si tu promets de rester à flot, c'est d'accord, j'accepte. Nous cherchons un homme du nom de Magnus. Le négrier? Nous pensons qu'il a chargé son bateau d'enfants d'Ostie, de Naples et de Syracuse. J'ai vu qu'il y avait un bateau qui semble se cacher au sud du port. Tu sais toujours tout, je vois. Et je te revaudrai ça. Et compte sur moi. Je ne vais pas oublier ça. Flavia Gemina. Sextus. Oui, comme tu vois, je ne me suis pas noyé. Je suis bien vivant. Et qui c'est, lui? Un traître. Un des hommes de Magnus, hein? Alors, tu sais ce que je fais aux traîtres? Non, on va attendre que le magistrat arrive, Sextus. N'attends jamais les magistrats. Non, non, pitié, Magnus te récompensera si tu me libères. Je le sais. C'est bon, venez les attraper. J'ai appris une chose quand ton cher père est parti en me laissant seul au milieu des poissons. Il ne faut pas mélanger les sentiments et les affaires pour réussir. Attachez-les bien. Sachez tous que Magnus est tout puissant. Ton père ne sera pas triste du tout. Il va mourir. Et tu sais comment? Il n'y a pas d'enfant sur ce bateau dont j'ai parlé. Seulement des hommes de Magnus. Ils l'attendent pour le tuer. Elle est malade. C'est très triste pour elle. Personne n'est indispensable. C'est dommage. Où sont les autres enfants? Qu'est-ce que vous leur avez fait? Bienvenue à bord du Vespa, le roi des bateaux négriers. Non, c'est le bateau de mon père. Amenez-les. Flavia, qu'est-ce qu'il y a? Serrez-vous un peu, il va y avoir foule là-dedans. Porcius? Porcius, c'est toi? Nubia et Jonathan, Flavia, on est venu te sauver. Ah oui, merci. Avancez, dépêchez-vous. Asseyez-vous. Merci, Mendoza. Alors voici le garçon sans voix dont j'ai entendu parler. N'en veux pas, Mendoza. Ce n'est que l'une de mes nombreuses possessions, comme tu l'es devenue toi aussi. Ta mère est morte. Désolé de t'apprendre la nouvelle, mais elle a eu une belle mort, en offrant sa vie aux dieux. Pour toi, l'enfant de la tempête, tu n'es pas comme les autres. Et c'est à mon tour de te faire une offre. Tu deviendras mon fils et mon héritier. Je t'enseignerai ce que je sais. Ça te plairait? Tu n'as rien d'autre. Ni mère, ni maison. Tu ne peux rien contre moi. Ursus, attention! Attention, Ursus! Pose-moi à terre. Merci. Étonnant, hein?
Ursus est mon garde du corps. Alors, qu'est-ce que tu en dis? C'est oui ou... Alors je dois te tuer. Ah, d'accord. Ursus, tu le... Allez, rattrape-le! Je vais devoir le remplacer. Tu ne veux toujours pas? Ah, on dirait que non. Attention. Mais qu'est-ce que tu attends? J'ai pas envie de mourir. Elle a la peste. Regarde-la! Lupus, approche-toi! Approche! Je vais te dire tout ce que je compte t'offrir! Oh, ne me laisse pas mourir! Meldusa, sors-moi de là! Aide-moi! Je t'ai laissé tes mains, pas vrai? Meldusa! J'en connais les symptômes. J'ai vu des amis mourir de la peste sur un bateau de ce genre. Et les membres de l'équipage aussi. Tu devrais vite l'acheter à la mer. Ton maître serait furieux de voir un bateau plein d'enfants morts. Oui, fais vite. Il y a d'autres malades. Jette-les aussi par-dessus bord avant que ça s'étende. Et qu'est-ce que tu fais? Que se passe-t-il? Elle a la peste. Elle a des idées d'évasion, c'est tout. Bien essayé, Flavia Gemina. Tue-les. Détache-les et tue-les. Tu as entendu? Tue-les tous. Tu as compris? Oui, capitaine. Aucun de ces enfants ne quittera le bateau vivant. Ah Le bateau était vide. Je croyais t'avoir dit de ne surtout pas chercher les ennuis. Porcius, mon ami, je vais te ramener auprès de ta maman. D'accord. Ah. Tu cherches quelqu'un, Cyrus? Moi? Non. Mais j'ai toujours un vague espoir que le hasard me sourit enfin. Mon oncle? Pardon? J'ai cru reconnaître cette voix. Meldusa. C'est bien toi. Mon enfant. Je t'ai cherché partout. Depuis si longtemps. Et ma mère? Mon père? Ils t'attendent. Ils t'attendent. Lupus, ta mère n'a pas de tombe, mais elle n'est plus de ce monde. Elle a offert sa vie aux dieux en sacrifice.
Oui. Oui, elle est vivante. Comme je suis moi-même vivante. Mais tu ne peux pas la voir. Lupus, si tu as confiance en moi, tu vas pouvoir rêver d'elle. Bois. Chérie, aimez votre mère. Pensez à elle seule sur la mer. Je n'ai pas le droit de quitter le service des dieux, parce que c'est là mon vœu. Mais toi, tu as trouvé une nouvelle famille. Des amis qui t'aiment tous beaucoup. Je te défends de penser un seul instant que je t'ai abandonné. Je serai toujours avec toi. Oui, partout où tu iras. Long de retrouver toutes les familles. Oui. Mais ce sera un travail agréable. Bon voyage. Au revoir. Merci. À bientôt. Au revoir, les enfants. Au revoir. Prenez soin de vous. Je vais rester un petit peu ici. Il y a beaucoup à découvrir, Harold. Oui. Tu vas sûrement nous manquer un peu. Je t'ai écrit un poème. C'est magnifique. Eh bien, tu le mérites, Flavia. C'est en quel honneur? Donné? Oh, rien. C'est juste un petit... Non. Il t'a écrit un poème? Laisse-moi voir. Non. Laisse-moi voir. Non. Tout le monde, au travail. On rentre chez nous.